Samedi 6 avril 2019, au Parc Omnisports de Sucy-en-Brie, a été inauguré le stade d'athlétisme Christine Aron, record d'Europe du 100 mètres en 10,73 notamment. Donner ce nom à ce stade est tout sauf un hasard, car c'est ici, au début des années 80, qu'elle a commencé ses entraînements. Avec Christine Aron, bien sûr, et tous ceux qui viennent de prendre la parole, nous allons dévoiler la plaque de cette inauguration. Merci, franchement je suis ravie d'être là, super contente par ce superbe accueil de tout le monde. Merci à Madame le maire de m'avoir si bien complimentée sur ma carrière, sur mon parcours qui était quand même assez long. C'est vrai que j'ai commencé l'athlétisme à 11 ans et j'ai arrêté de m'entraîner à haut niveau à 42 ans. Donc vous voyez que c'est une belle vie de pratique. Et c'est vrai que j'étais vraiment ravie, très honorée, parce que c'est une première, c'est la première fois qu'un stade va porter mon nom. Et je dois dire que toutes les premières fois, comme vous le savez, sont importantes et symboliques. Et c'est pour cette raison qu'on ne les oublie jamais, on ne les oublie pas. Donc un stade à mon nom, c'est vraiment quelque chose de magique. Pour moi, c'est une belle reconnaissance pour l'ensemble de ma carrière. Et voilà, je suis vraiment ravie, émue de voir cette belle plaque à mon nom, pour ce stade. Et puis, je voulais vous dire aussi que j'espère que tous ceux qui viendront fouler cette piste seront motivés tant par la performance, parce que je sais qu'il y a des athlètes qui s'entraînent ici, mais aussi par la pratique des différentes activités, pour que ce soit pour le plaisir, pour la forme, et parce que c'est important. Un stade, c'est un lieu de rencontre et d'échange où peut venir justement toute la famille, les jeunes, les moins jeunes, justement pour une pratique de santé. Et pour moi, un stade, c'est vraiment un lieu vivant. Je voulais remercier aussi tous ceux qui ont permis que cette réalisation soit possible dans un super endroit, parce que j'ai foulé de nombreuses pistes et c'est vrai que mes préférées sont celles qui sont dans la nature. Et celle-là, très franchement, a un beau cadre de santé où je pense que tous ceux qui viendront s'entraîner seront à l'aise et se sentiront bien. Voilà, donc merci Madame le maire d'avoir pensé à moi pour cette belle inauguration. Et je suis ravie vraiment que ce stade porte mon nom. Merci à tous. Après cette inauguration, s'en est suivi avec les commentaires de Monsieur Montel, des épreuves de 100 mètres, 400 mètres féminins et masculins, ainsi que du saut en longueur, du javelot et du saut de haie. Une journée riche en émotions et en activités. Après cette inauguration, s'en est suivi avec les commentaires de Monsieur Montel, des épreuves de 100 mètres, 400 mètres féminins et masculins, ainsi que du saut en longueur, du javelot et du saut de haie. Une journée riche en émotions et en activités.